Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle séquence de la sélection du guide des belles adresses d'Occitanie et je vous emmène dans une des plus belles adresses de la région et la plus belle adresse de Narbonne. On est aujourd'hui à la table de Lionel Giraud, chef 2 étoiles au guide Michelin, et je vais vous faire découvrir le monde de ce chef. On va aller tout de suite à l'intérieur. À tout de suite, suivez-moi. Donc voilà l'accueil de la table de Lionel Giraud. Donc vous voyez, toute la décoration est assez épurée autour du bois, des matières nobles. Et on va tout de suite aller voir la salle du restaurant parce que vous allez voir que ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà, donc ici on pénètre dans la salle de restaurant. Vous avez vu cette grande largeur sous plafond, donc c'est un plafond cathédral avec voilà, plein d'éléments de décoration, des tables avec une décoration sublime, épurée, douce. Et ici, on va retrouver beaucoup de plats avec des producteurs de la région, parce que ça, le chef y tient énormément. Donc, il y a une grande mise en avant de tous les délices qu'on peut trouver ici dans le Narbonnais ou même en Occitanie. D'ailleurs, il faut savoir que sur la carte, le chef nomme chaque producteur en face des plats. Donc, il y a vraiment un hommage qui leur est rendu et qui est très, très sympathique. Donc, c'est une petite salle avec voilà, des services, des petits services. On est en toute intimité ici, et on a aussi un salon pour les petits groupes que je vais vous montrer après. Et au niveau des menus ici, donc il faut savoir qu'il faut vraiment se laisser guider par le chef parce que c'est lui qui compose tous les menus. Donc il y a un menu à partir de 120 euros pour la petite balade en Occitanie jusqu'à 220 euros pour le menu d'exception. Allez, je vous amène voir le salon dont je vous ai parlé pour les petits groupes. Et nous voilà donc dans le fameux petit salon privatif. Donc là, si vous avez un repas de famille à prévoir et que vous voulez vraiment être entre vous, c'est le lieu idéal. La visite de la table de Lionel Giraud touche à sa fin. Ce que je ne vous ai pas dit, et c'est vraiment ce qui fait aussi sens dans cette adresse et le petit plus de l'adresse, c'est qu'en fin de repas, le chef va vous inviter à aller dans les cuisines, voir toutes les coulisses de ce voyage gustatif. Donc c'est hyper intéressant et sympathique et ça crée vraiment un contact avec le chef. Voilà, je vous invite à venir très prochainement à la table de Lionel Giraud, Maison Saint-Crescent. À très bientôt.